Chers amis, internautes d'Astuces Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs. Astuces Entrepreneurs, je m'appelle Abdelaziz Dong, je suis entrepreneur manager. Aujourd'hui, je vais vous amener dans un endroit assez spécial, le centre Noflai. Le centre Noflai qui est un centre de non-stress, de fitness, mais aussi de nutrition. Vous êtes entrepreneur, vous êtes tout le temps soumis au stress. Alors, c'est l'occasion vraiment de qu'on vous montre vraiment comment gérer vos stress au quotidien avec un professionnel qui est dans le domaine. Alors, vous êtes prêts? On va aller découvrir le centre. Bonjour et bienvenue dans Astuces Entrepreneur avec votre ami Abdelaziz Long. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, vraiment. Je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour madame. Bonjour. Alors, bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos internautes? Avec plaisir. Alors, je suis Deifa Tungay. Je suis la fondatrice de Noflai Center, qui est un centre de gestion intégrée du stress. Et mon background, c'est un background de médecin, nutritionniste et aussi d'experte en santé publique. Alors, vous êtes PDG de Noflai Center. Alors, c'est quoi, que propose Noflai Center? D'où vous est venue l'histoire, en fait, de vouloir créer un centre? Alors, c'est une histoire très personnelle. Hein. L'histoire de Noflai Center, l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de femme, mais c'est aussi mon histoire, et mon histoire avec une amie très chère, qui justement est décédée d'un cancer du sein, parce qu'elle vivait sous stress, parce qu'elle avait vécu beaucoup de drames dans sa vie, et elle a finalement fait un cancer du sein, elle est partie, et nous avions beaucoup parlé de créer quelque chose, un havre de paix pour les femmes, et c'est comme ça qu'on a pris l'initiative de réfléchir à Noflai Center. Et c'est 10 ans après sa mort que j'ai pu avoir l'opportunité d'ouvrir ce centre qui est pour moi une oasis de sérénité au milieu du tumulte de nos vies, de façon assez poétique. Ouais, 10 ans. Alors, Noflai Center propose des services comme? Alors, Noflai Center, nous aidons à gérer le stress en offrant des services en lien avec la médecine douce, telles que l'aromathérapie, la réflexologie plantaire. Ce sont des techniques qui sont ancestrales, venant d'Asie, de l'Afrique, de l'Égypte et autres, mais aussi avec tout ce qui est nutrition saine, alimentation équilibrée à base de produits locaux et l'activité physique, fitness, zumba, mais aussi le yoga. Donc tout ce qui permet de diminuer les facteurs de stress, mais aussi de prévenir le stress. Mais il est important que nous vous demandions, c'est quoi le stress en fait? Ça c'est une très très bonne question, parce qu'en fait le stress, on parle tous de stress. On va entendre les gens dire « Ah, je suis stressé », mais qu'est-ce que c'est? En fait le stress c'est un ensemble de facteurs qui agissent sur l'organisme, et avec des conséquences aussi bien sur notre psychique, c'est-à-dire notre mental, que sur notre physique. Et ces différents facteurs, ils peuvent être externes. Ça peut être un événement qui nous arrive ou un mode de vie. Mais ils peuvent aussi être internes, c'est-à-dire ça peut être une maladie. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on a différents types de stress. On a un stress qui est positif, hein. C'est-à-dire qu'il faut un certain niveau de stress dans la vie pour pouvoir justement arriver à atteindre nos objectifs. C'est quand ce stress atteint des niveaux trop élevés, c'est-à-dire que notre organisme est sous tension en permanence. Et quand notre organisme est sous tension, notre cerveau envoie des signaux à notre organisme pour sécréter des cellules, des hormones qui vont en fait à la longue attaquer nos cellules. Et c'est ce qui va nous donner des cancers, des diabètes, l'hypertension, mais aussi des maladies mentales, la dépression, etc. Donc le stress, c'est très complexe, mais il faut savoir identifier les signes pour pouvoir agir contre le stress. Identifier les signes pour pouvoir agir contre le stress. Mais tout à l'heure, pour revenir à vos services, vous nous avez dit que Noflai est un centre de non-stress, de fitness, mais aussi de nutrition. Là, j'ai une très grande question. Alors, comment la nutrition peut intervenir dans la gestion du stress?
C'est vrai, beaucoup de gens me disent, mais on ne comprend pas la nutrition. Mais en fait, la nutrition et le stress sont intimement liés. Pourquoi? Vous savez, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament. Et moi, je dis que le médecin de demain, il va soigner pas seulement avec les médicaments, mais plutôt avec la nutrition saine. Pourquoi? Parce que ce que nous mangeons, en fait, va déterminer ce que notre organisme devient. Et en fait, quand nous mangeons déséquilibré, nous déséquilibrons notre organisme et nous envoyons aussi des signaux à notre cerveau qui sont des signaux qui équivalent en fait à des facteurs de stress. Donc nous provoquons un stress dans notre organisme et nous avons aussi ce que moi j'appelle le deuxième cerveau, ça s'appelle aujourd'hui le microbiote. On avait l'habitude d'appeler ça la flore intestinale. En fait, c'est un ensemble de micro-organismes qui font qu'au niveau de notre intestin, ce que nous ingérons va soit entraîner un équilibre ou un déséquilibre. Et ce déséquilibre-là va provoquer du stress, va provoquer une sécrétion d'hormones de stress, cortisol, adrénaline, et va entraîner donc tout un mécanisme d'attaque de nos cellules. Et donc, ça revient au même que si nous étions agressés par un deuil, un divorce ou bien par trop de stress au travail. Donc, la nutrition, c'est capital pour gérer le stress. Donc, si on mange mal, on a beaucoup plus de risques de déclencher du stress. Et vice-versa. En mangeant mal, on a du risque de déclencher ou d'exacerber un stress qui existe. Mais quand on est stressé, on provoque un déséquilibre avec une envie de manger des choses beaucoup plus sucrées, beaucoup plus salées, beaucoup plus grasses, qui vont déséquilibrer notre organisme et qui vont arriver à un déséquilibre aussi au niveau de notre psychique. Et ça va être en fait un cercle vicieux qui va entretenir le stress et la mauvaise nutrition, la malnutrition. J'aimerais juste revenir un peu en arrière. Pourquoi avoir choisi le mot no-fly? Alors, no-fly en Wolof, ça veut dire sérénité. No-fly, sérénité, c'est le contraire de fitna. Stress, moi je dis qu'en Wolof, c'est fitna. Donc j'avais envie de mettre un mot qui, rien qu'à l'entendre, nous apaise. Comme je vous ai dit, ici, ça se veut être une oasis de sérénité. Donc c'est ma langue maternelle. Donc voilà, no-fly pour sérénité, repos. Maintenant, dites-nous, comment vous aidez vos clients vraiment à gérer le stress? Qu'est-ce que vous voulez prescrire au fait? En fait, nous avons une approche qui est assez spéciale, hein. Vous avez vu qu'on a des tapis, des nattes, on peut se mettre au sol, etc. Parce que j'ai eu la chance de faire une formation de médecin, donc médecine allopathique, moderne. Mais aussi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le monde. Et je me suis rendu compte qu'il fallait une synergie. Et donc, nous, ce que nous offrons, c'est une approche qui est complémentaire de la médecine moderne, allopathique, c'est-à-dire qu'on peut très bien souffrir d'un diabète, avoir son diabétologue, mais pouvoir aussi obtenir des services qui nous permettent de diminuer les facteurs de stress et donc de rendre ce traitement de médecine allopathique à base de médicaments, de le rendre beaucoup plus efficace. Donc nous, ce que nous faisons, je prends juste un exemple, que ce soit un diabétique, un hypertendu, que ce soit juste quelqu'un qui souffre de stress ou peut-être d'insomnie qui ne sait même pas que c'est du stress, on commence toujours par une évaluation initiale des besoins. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir avec la personne qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui lui l'a fait venir à no-fly. Les gens, ils vont vous dire juste « je suis fatigué, je ne dors pas ». Et en fouillant, donc on a tout un interrogatoire qu'on fait avec la personne. Mais avant ça, on la met dans des conditions vraiment de détente, avec une tisane, etc. Et on va identifier des facteurs de stress, on va même identifier une maladie. Et là, on va proposer une prise en charge. Par exemple, ça va être, on va dire, il faudrait peut-être faire du sport. On a un coach de sport qui va vous encadrer. Ou alors, il faut revoir votre équilibre nutritionnel et alimentaire. Et là, on accompagne à travers des ateliers de cuisine, etc. Mais on reste toujours en contact avec le médecin traitant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être séparé ou qui va annuler le médecin traitant. Souvent, on entend dire que le stress peut déclencher des maladies, comme le diabète et tout. Est-ce que ça, c'est vérifié? Oui, ça, c'est vérifié. Les études l'ont montré. Le stress est à l'origine d'énormément de maladies chroniques, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit les cancers.
Et même, comme je dis souvent, le vieillissement précoce, vous allez voir quelqu'un, vous dites, ah, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Cette personne a pris 10 ans, mais en fait, parce que le stress déclenche des réactions chimiques qui vont aller agir au niveau de nos cellules et entraîner des modifications dans notre organisme. Donc, le stress est à l'origine de beaucoup de maladies. Et aussi, ça va entraîner des réactions qui vont exacerber un facteur qui existe déjà. Et c'est pour ça que, oui, c'est très important de gérer tout ça. Mais aussi, dans le sens inverse, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'était pas peut-être stressé, mais qui a une hérédité avec un diabète familial et autres. Et le jour où on lui annonce ce diabète, cette personne va commencer à dégénérer parce que là, on a en même temps déclenché un stress. Donc, c'est impératif de pouvoir gérer le stress en même temps que les autres facteurs. Alors, je disais tout à l'heure qu'à North Life, souvent, on constate que ce sont beaucoup plus les femmes qui viennent. Alors, je dis que oui et non. Parce que, en fait, c'est vrai que le focus initial, c'était les femmes. Parce que je vous ai raconté un petit peu, c'est une histoire personnelle. Et puis, c'est vraiment l'histoire de mon amie qui est décédée d'un cancer qui était la conséquence de beaucoup de stress et de souffrance. Et je me suis dit que ça serait bien que d'autres femmes puissent trouver ce moment, cet espace sécurisé. Les anglophones appellent ça les safe space. Donc un espace sécurisé où elles ont le droit, en fait, de pouvoir s'exprimer, où elles se sentent en sécurité et elles ne culpabilisent pas parce qu'elles ne vont pas bien. Pourquoi ? Parce que la femme, c'est vraiment le ciment. La femme, c'est le noyau de nos sociétés. Et moi, je dis que quand la femme va bien, l'homme va bien, l'enfant va bien, la famille, la communauté, le monde va bien. Donc oui, on focalise plus sur les femmes, mais en fait, c'est juste la porte d'entrée pour un monde de sérénité, un monde meilleur. Et la femme est aussi un grand moteur de développement. Donc voilà pourquoi nous avons focalisé sur la femme. Alors, pour revenir aux entrepreneurs aussi, vraiment, on va juste vous demander, en fait, l'analyse que vous faites de la situation entrepreneuriale au Sénégal. Est-ce qu'il est facile d'entreprendre, de créer une entreprise au Sénégal? Bon, moi, je dirais que je vais juste prendre mon exemple personnel. Créer une entreprise en n'ayant pas de formation, en ne sachant pas où même demander de l'appui, c'est assez difficile. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une subvention de la DPME, mais il y a très peu d'entrepreneurs qui ont cette chance-là. Et c'est difficile parce que déjà, on n'a pas l'habitude de formaliser en fait les entreprises. Et ensuite, une fois qu'elles sont formalisées, il y a beaucoup de conséquences, même en termes d'impôts. Quand on a besoin d'un emprunt à la banque, c'est très difficile, surtout quand on est une jeune entreprise. On n'aura aucune banque qui va nous prêter. Et là, on vient d'être frappé par cette pandémie de Covid-19 qui fait que c'est en train de mettre vraiment les entreprises à rude épreuve. Donc, ce n'est pas facile d'être entrepreneur au Sénégal, mais ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de potentiel. Énormément de potentiel. Et c'est pour ça que nous, à North Life Center, nous faisons justement la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du consommer local. Et vous allez voir que notre centre est rempli de produits locaux. Par exemple, ça, c'est une entreprise de sourds-muets qui fait ça. Mais c'est dans l'informel. Donc, les gens ont besoin d'être encadrés, d'être appuyés. Et le personnel aussi a besoin d'être formé, mais aussi d'être accompagné pour la gestion du stress. Oui, absolument. En fait, parlant de ça, l'entrepreneuriat est intrinsèquement lié au stress. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez pas que ce sont les entrepreneurs qui ont plus besoin? Moi, je dirais que les entrepreneurs en ont besoin. Vraiment, ils en ont besoin parce que c'est un travail, c'est un milieu où on est sous stress et sous tension constante et permanente. Et les entreprises, surtout les petites entreprises, n'ont pas vraiment de recours. Dans les grandes entreprises, vous allez avoir une direction des ressources humaines, un médecin d'entreprise, etc. Et même dans les grandes entreprises, on n'est pas forcément dans cette culture de gestion du stress avec la médecine douce et autres. Quand on en parle, on nous dit, bon, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Des fois, j'ai entendu des gens me dire, oui, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, les Africains, on n'a pas besoin de gérer le stress. Si, on en a besoin.
Parce que quand on est stressé, on fonctionne moins bien. Oui. Quand on est stressé, on ne réfléchit pas. Mm-hmm. Et quand on est stressé, on n'est pas performant. Donc, si on veut avoir des entreprises performantes, il faut vraiment qu'on soit au meilleur de notre forme, aussi bien psychique que physique. Ouais. Et donc, c'est capital de pouvoir faire cet exercice. Mais quel est le message que vous adressez à ces entrepreneurs-là qui viennent de se lancer, qui sont soumis tout le temps au stress et vraiment qui aimeraient vraiment s'en sortir? Alors moi, le message que je lance, c'est le message que je me lance à moi-même déjà. C'est n'acceptez pas d'être à des niveaux de stress que vous ne maîtrisez pas. N'acceptez pas de vous aliéner par rapport à votre travail. Et il faudrait mettre votre personne, le bien-être de votre personne, de votre entreprise, c'est-à-dire de votre personnel, avant tout. Parce que si vous n'avez pas un personnel qui est au mieux de sa forme physique et mentale, votre entreprise, elle n'ira nulle part. Si vous-même, vous n'êtes pas au mieux de votre forme physique et mentale, vous ne pouvez pas développer votre entreprise. Donc pour moi, des fois, beaucoup de gens pensent que c'est du gâchis, qu'on n'a pas vraiment besoin. Pour moi, il est capital de mettre même un budget que vous allez dédier à la gestion de votre stress en entreprise. Et ça, c'est vraiment le message que je lance. Et aussi dire que nous sommes là. C'est peut-être pas fréquent de voir un centre de gestion du stress, surtout en Afrique et au Sénégal. C'est une première. Je pense que c'est une première. Je pense que nous sommes les seuls. En tout cas, jusqu'à récemment, nous étions les seuls. Ouais. Et s'il vous plaît, chef d'entreprise, pensez à votre staff. Parce que c'est comme ça que vous allez développer votre entreprise, en leur donnant le meilleur pour qu'ils soient au meilleur de leur forme physique et mentale. C'est mon message. Ouais, et le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est la force, nous la trouvons en nous-mêmes. Cette force dont nous avons besoin pour développer nos entreprises, cette force dont nous avons besoin pour vivre nos vies de tous les jours, nous la trouvons en nous-mêmes. Et je voudrais adresser un message particulier aux femmes, mais qui va s'adresser aux hommes aussi. Parce que souvent je dis oui, il faut s'occuper de la femme, il faut que la femme aille mieux parce qu'elle fait que tout le monde aille mieux dans son entourage. Mais la femme ne peut pas aller bien si les hommes qui l'entourent aujourd'hui ne sont pas avec elle. Et tout à l'heure, nous allons avoir une discussion sur les violences dans le couple. Parce que nous sommes dans cette semaine, ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et j'ai vraiment envie de dire que cette couleur orange dont on parle là, moi je l'avais choisi déjà pour nos fly il y a plusieurs années. Donc oui, nous devons nous battre pour le bien-être des femmes. Mais ce bien-être des femmes, il ne doit pas se faire qu'avec les femmes. Il va se faire avec les femmes, avec les hommes, avec tous les membres de la société, pour les femmes, par les femmes. Et s'il vous plaît, ayez toujours conscience que quand la population d'un pays ne va pas bien, ce pays ne peut pas se développer. Donc commençons par aller bien dans notre tête et dans notre corps si nous voulons développer nos nations. Ouais, commençons par aller bien dans notre tête et dans notre corps si nous voulons développer nos nations. Quel est le message adressé à la jeunesse, aux femmes, aux hommes, à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Souvent, les gens minimisent en fait le stress, l'impact que ça peut avoir sur eux. Et vraiment, ce n'est pas à minimiser, je pense. Et il faut vraiment tout le temps vous approcher des professionnels qui peuvent vous aider vraiment à gérer le stress. C'est important quand vous êtes entrepreneur, vraiment, d'être conscient de cela et d'essayer de le gérer au quotidien. Voilà, je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir accepté vraiment d'être un invité de Astuces Entrepreneurs. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous vous remercions, vous aussi, chers abonnés d'Astuces Entrepreneurs. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Astuces, c'est toujours les chemins les plus étroits pour les sommets les plus hauts. Astuces. Merci.